Bonjour à tous. Très très heureux de vous retrouver dans le cadre de notre deuxième saison qui maintenant est bien fournie déjà par des invités et un nouvel invité, ou plus exactement une nouvelle invitée. Il s'agit de Ruth Benaroche. Bonjour Ruth. Bonjour. Alors Ruth, tu es comédienne, chanteuse, metteur en scène et psychanalyste. Rien que ça. Ça va être très chouette. On va découvrir un petit peu justement toute cette richesse par ton expérience qui va donc retrouver Pauline Quillon. Bonjour Pauline. Bonjour Albert. Alors Pauline, auteure de ce livre « L'enquête sur la dysphorie du genre, bien comprendre pour aider vraiment les enfants ». Là on est vraiment dans notre thème autour de cette dimension du genre. Et donc là il y a eu une étude vraiment approfondie. Et puis nous avons Éloi de la Bastille, notre étudiant en économie, bonjour, qui est fidèle au poste et qui nous reste avec nous là sur notre seconde saison. C'est un apport de la nouvelle génération qui est intéressant et c'est pour cela que l'on démarre. Mes amis, je démarre ce thème en partant finalement de la liberté du jeune. Mon Dieu, on s'en préoccupe beaucoup et c'est bien. Et est-ce qu'on a bien distingué ce que veut dire la liberté et le libre choix? Il y a déjà ça, et on veut absolument être au service de la liberté. Depuis déjà 30 ans, on pousse le jeune à se libérer. Nous avons eu cette mouvance de 68. Aujourd'hui, c'est très amusant. Je ne veux pas être trop piquant quand même, mais quand même amusant de voir ceux qui ont été les pionniers de la liberté de 68, qui aujourd'hui sont d'une sectarisation terrible, sectaire. Ils sont très sectaires, notamment sur le Covid, où il faut absolument obéir à la lettre d'une manière incroyable. Donc nos pionniers de « il est interdit d'interdire » aujourd'hui nous mènent à la baguette en tant que vieux grand-père. Je vais me faire tuer. Mais je pense que c'est quand même un petit peu surprenant de voir comment cette génération a évolué. Et tout en évoluant, elle nous a donné un héritage pour nos nouvelles générations avec un principe, développer la liberté, le libéralisme, la liberté sexuelle. Et aujourd'hui, on parle même d'identité. Alors on va d'abord commencer par la distinction. Chacun, chacune, vont me dire un peu comment vous voyez cette distinction, le libre choix, le libre arbitre et la liberté. Alors la liberté, pour moi, c'est un processus dynamique. C'est quelque chose qu'il faut conquérir, qui ne se conquiert qu'à partir du moment où on a vraiment appris à se connaître, on est arrivé à une certaine maîtrise aussi de ses pulsions et une connaissance assez fine de son bien, du bien, de ce qui, en tout cas, peut réaliser le bien pour soi. Sans quoi, une liberté, elle serait assez perdue. Et donc, pour accéder à cette liberté-là, il faut une telle liberté ensuite pour poser des choix qui soient pertinents ou qui puissent effectivement correspondre à la nécessité réelle du jeune ou de toute personne. Réaction par rapport à cette définition. Réaction, moi là, j'étais en train de penser, liberté pour moi, c'est effectivement quelque chose qui s'acquiert, c'est-à-dire qui se travaille. On peut se dire qu'on est NAIT libre, non, on le devient, j'aurais tendance à dire, en travaillant sur soi, en s'interrogeant sur ce qui nous attache, ce qui nous contraint, et que du coup, le pendant, effectivement, c'est la contrainte. À quel endroit on place nos freins pour soi. Et le libre arbitre, pareil, c'est quelque chose qui s'apprend et qui demande ce travail de choix, en fait, de pouvoir choisir et d'apprendre ça. Alors, on a l'impression d'une certaine nécessité d'expérience. Est-ce qu'on peut dire à un jeune qui, finalement, n'a pas encore l'expérience? Moi, je m'amuse toujours à donner la définition de l'adulte aux yeux des enfants. Je leur dis, voilà, l'adulte, il est comme vous, il a une expérience d'un an de l'âge qu'il a eu ou qu'il a.
C'est-à-dire que vous, vous avez 8 ans, et ben l'adulte, lui, il a eu cette expérience pendant un an de cet âge de 8 ans que vous, vous êtes en train de découvrir. Vous, vous avez déjà un acquis, 6 ans, 7 ans, 5 ans, 4 ans, vous avez déjà cette expérience. L'adulte qui est en face de vous a non seulement l'âge pendant, l'expérience de l'âge de 8 ans pendant un an, mais aussi celui que vous n'avez pas encore, c'est-à-dire 9 ans, 12 ans, 14 ans, 20 ans. Et c'est pour cela que cette expérience est à entendre. Et cette expérience lui permet aussi de s'adapter à vous. Comme vous, quand vous avez 8 ans, ben, vous regardez un petit enfant de 4 ans et vous vous surprenez à prendre une petite voix, disant ah, « comment ça va ?» et tout. Vous savez comment il faut parler à cet enfant. Alors, est-ce que ce n'est pas trop prématuré de remettre le pouvoir décisionnel et le capital de la liberté à un enfant dans sa totalité, à 100%, comme on a l'impression que notre société d'aujourd'hui moderne le prône? Je dirais que ça dépend de ce que tu appelles dans sa totalité à 100%. C'est-à-dire que on peut se dire que chaque âge peut avoir un degré de liberté et que l'adulte, oui, peut dire à un enfant « tu as cette liberté ». Là, je pense justement parce que mon fils était en instruction en famille et j'avais essayé de développer une façon d'enseigner plus libre, justement. Moi, en ayant travaillé sur ce carcan qui m'avait empêché au niveau de l'éducation nationale. Et le spectacle était justement sur la liberté. Donc voilà, j'en ai parlé tout à l'heure. J'ai demandé aux enfants d'être libres, d'essayer de l'être, dans le choix de leur costume, dans le choix de leur texte, à plein de niveaux. Et moi, je ne faisais que cadrer. Je me dis que ça, si on pouvait essayer de faire ce genre d'expérience avec les enfants, leur dire, voilà, il y a ce cadre, parce que liberté, c'est pas aucun cadre. Il y a ce cadre, à l'intérieur de ce cadre, vous pouvez être libre. Alors là, qu'est-ce qu'on fait ? C'est toi qui le donne, le cadre. Oui, alors qu'aujourd'hui, on demande aux jeunes, actuellement, et on trouve que ça serait pas mal, que le jeune lui-même crée son propre cadre, qu'il est le responsable de son choix et même de la mouvance et de l'évolution de ce cadre, s'il veut. Est-ce que là, tu mets une limite, du coup ? Tu dis non, pour l'instant, l'adulte devrait mettre le cadre. Qui serait le « on » ? On lui demande, c'est qui ? Les adultes d'aujourd'hui qui remettent la totalité de la liberté. Ah, mais qui se déresponsabilisent, alors. Là, c'est différent. Oui. Ouais. Alors, effectivement. L'enfant, précisément, c'est celui qu'on appelle le mineur. Et s'il est mineur et s'il n'est pas majeur, c'est que précisément, on considère qu'il n'a pas encore, il n'est pas encore en mesure d'exercer pleinement sa liberté. Alors, c'est vrai que ça peut sembler assez arbitraire. Pourquoi 18 ans ? Avant, c'était 21. On parle de 16 ans. On parle, effectivement, il y a une maturation du cerveau, des capacités cognitives qui font qu'avant un certain moment, on n'a pas tout à fait les capacités d'avoir, alors soit l'expérience, mais ce n'est pas seulement la question de l'expérience, parce que l'expérience, on l'a fait toute sa vie, selon les générations, on fait des expériences différentes, mais c'est aussi parce que quelque chose se passe, il y a une transformation de la personne quand elle passe de l'état d'enfant à l'état d'adulte, qui fait qu'à ce moment-là, elle est capable, effectivement, de pleinement soit consentir, savoir où elle met les pieds. Alors, il y a un certain nombre de domaines, de choses dans lesquelles, effectivement, l'enfant peut-être peut exercer sa liberté, mais c'est plutôt un état d'esprit, c'est une éducation libre, une éducation qui favorise sa créativité, ce qu'il y a en lui d'un surgissement personnel. C'est ce que l'on a dans le témoignage de Ruth. Voilà, mais c'est une chose différente que de dire effectivement il est libre de faire ce qu'il veut, et évidemment le cadre et la limite doivent être posés par l'adulte. La question est de savoir au nom de quoi, selon quel principe, selon quelle limite le cadre doit s'arrêter ici et pas là. Effectivement, il peut sembler y avoir une certaine arbitraire. Je suis assez d'accord avec ça, et je pense qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est qu'il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Et quand on prenait l'exemple des mineurs, justement, un mineur n'est pas responsable de ses actions. C'est-à-dire que si un mineur commet un crime ou crée des problèmes ou quoi que ce soit, c'est les parents ou les adultes responsables pour lui qui prendront à sa place. Et ça, c'est la société et qui c'est le d'ailleurs... demande. Oui. Mais il y a quelques siècles de ça, on avait 15 ans, on avait 12 ans, parce qu'on avait une limite d'âge qui était, enfin une limite de vie qui était beaucoup plus courte. Et à 12 ans, on se retrouvait avec des responsabilités folles.
Ça, c'est seulement un discernement sociétal. Certes, mais le cadre est quand même là. Aujourd'hui, là, vous êtes responsable à partir de 10 ans. Quand vous êtes mineur, vous n'êtes pas responsable. Donc, de fait, vous ne pouvez pas avoir une liberté totale. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Et je crois que c'est paysé. Le désordre fait la servitude. Et c'est justement ça. La liberté ne peut pas être offerte complètement. Parce que sinon, si on ne donne pas de cadre à un enfant, je pense que c'est extrêmement dangereux. Et donc, il faut lui donner la liberté. Et quelle liberté? La liberté de penser complètement, la liberté sur beaucoup de plans, sur la foi, etc. Mais pas forcément la liberté sur un comportement, sur des questions de respect. Pour moi, il y a des choses où on ne peut pas laisser l'enfant libre, notamment sur l'éducation. Oui. Mais justement, là, dans ce que j'entends, moi, j'ai l'impression qu'on devrait redéfinir la liberté, parce que là, ce que je suis en train de me demander, c'est est-ce qu'un adulte est libre? Qu'est-ce que c'est que cette liberté? Là, ça me fait penser à Spinoza et au fait que on n'est pas libre parce qu'on est agi aussi par la nature ou par le créateur ou par... est-ce qu'on est libre? Est-ce qu'on a le choix? Ou est-ce que notre chemin est celui qu'il doit être en ayant cette petite impression qu'on y est pour quelque chose? Alors, ça, moi, ça m'intéresse. Culturellement et théologiquement, surtout, il est basé comme quoi notre liberté se trouve à partir du moment où on a l'harmonie avec le créateur, si on le reconnaît par la foi, etc. Bon, ça, c'est une chose, OK? On parle de cadre. À partir du moment où il y a une évolution du cadre et une nouvelle règle du jeu, la liberté n'est pas atteinte. Et est-ce que le fait que l'être soit libre, il est dans la vérité? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère que le critère le plus sûr, c'est plus il y a de liberté dans l'acte et dans la possibilité de choisir ce qu'on veut, plus nous allons être dans la vérité et l'épanouissement de la personne humaine. Oui, c'est une certaine idée, la liberté est perçue comme une cohérence envers soi-même. Mais plus les choses vont, plus j'ai le sentiment qu'effectivement, quand on parle de liberté aujourd'hui, on parle davantage en réalité d'autodétermination, pouvoir être à la source de ses actions, quels que soient par ailleurs les déterminismes qui nous agissent, mais ensuite pouvoir par soi-même ensuite choisir, agir sans que personne ne nous contraigne. Donc effectivement, la grande idée de la liberté, elle semble souvent battue en brèche. Je crois j'ai le sentiment, moi en tout cas, de vivre dans un monde assez pessimiste, on ne croit plus tellement ou avec beaucoup de réserve à cette liberté du sujet. On pense qu'on est agi par des déterminismes sociologiques, religieux, etc., dont il faut s'arracher en permanence, etc. Et on a du mal à penser que réellement on puisse être acteur de ces sujets, de son action. Et il nous reste en fait seulement, me semble-t-il, quelque chose qui ressemble à l'autodétermination, c'est-à-dire la capacité que je revendique à agir, à faire en fait ce que bon me semble, ce que je ressens, ce qui me comme appel, comme pulsion, comme désir. C'est plus ça en fait aujourd'hui. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que finalement, on est même un petit peu en contradiction avec, tu parlais de l'influence aussi de la nature, etc. Notre corps, nous avons des gènes, et dans nos gènes, on peut par exemple, moi je sais bien, je commence à être stressé et être fatigué, ma grand-mère, elle était comme ça, elle grossissait. Bon, moi je suis pareil, je grossis, et même si je fais un super régime, etc., je commence à être gros. Bon, et il y en a d'autres qui vont ressentir exactement les mêmes choses, leur corps réagit différemment, il maigrit, ils deviennent tout maigres, ils mangent pas, ils mangent, mais ils maigrissent de plus en plus, donc c'est une autre détresse. Et est-ce qu'à ce moment-là, on est en colère contre son propre corps et on dit « je ne suis pas libre ». Quelle est cette propriété de notre liberté et l'acceptation aussi de tout ce qui nous entoure et qui n'est pas un ennemi de notre liberté, mais une harmonisation peut-être quelque part avec notre liberté? D'où la raison pour laquelle on va commencer maintenant à se plonger. On est à 15 minutes maintenant, la moitié de notre émission. Et si déjà la frustration semble complètement stupide et aléatoire de dire « si je grossis, je suis maigri,
je considère que je n'ai pas à refuser mon corps pour avoir une impression d'être libre. Dans ces cas-là, si mon corps sexué est d'identité quand même masculine et que je le refuse, est-ce que je suis véritablement dans l'épanouissement de ma liberté ? Vous voyez ? Si la liberté est effectivement vécue comme une absence absolue de détermination, alors dans ce cas-là, évidemment, le premier ennemi de la liberté, c'est évidemment la condition charnelle. Parce que s'il y a une détermination, s'il y a une limite qui nous est imposée, c'est bien le corps. J'ai faim, je dors, je ne peux pas me déplacer en une seconde à l'autre bout de la terre. Mon corps a des lois qui me contraignent. Et effectivement, si la liberté est pensée comme de façon un peu prométhéenne, hein, comme la capacité à être auteur de soi, eh bien, dans ce cas-là, le corps est un peu l'ennemi numéro un. Enfin, c'est... D'où, effectivement, toute cette question autour de la liberté à changer de sexe, de genre, là, devient évidemment une question cruciale pour la jeunesse. Réaction ? C'est ça le problème. C'est une vraie, vraie, vraie question. J'ai une amie qui est justement passée par là, qui était un homme ou un jeune garçon et qui est devenue femme. J'ai beaucoup réfléchi et beaucoup... Au départ, j'aurais, moi, pensé à vraiment quelque chose qui allait vers quelque chose de l'ordre de son histoire, quelque chose de psy, quoi, voilà, une problématique psy. Et en l'écoutant, j'ai joué avec elle pendant plusieurs mois dans un théâtre. On avait vraiment des discussions à bâton rompu, elle s'est vraiment livrée. Et je dis « elle », hein, parce que je suis incapable de l'imaginer homme tellement elle était femme. Je dis « elle était » parce que je ne la vois plus. J'ai senti dans son récit que c'était inévitable, en fait. Comme si elle pouvait me faire entendre que oui, on peut peut-être avoir une sexualité. On peut être sexué différemment du corps qu'on a. Et c'est dingue, j'aurais jamais pensé changer d'avis, puisque je suis psy. Voilà, mais son discours était tellement clair qu'elle a réussi à me faire douter et à remettre en question ces certitudes que j'avais et qui me disaient « non, évidemment ». Évidemment, elle est née garçon, il s'est passé quelque chose dans sa famille qui fait que, etc. C'était une telle souffrance et tellement inévitable et un chemin. Parce qu'on peut sentir la psychose. Il y a des personnes qui peuvent être psychotiques et qui, du coup, ont des angoisses corporelles, qui ont envie de transformer, qui vont vers la chirurgie esthétique, qui changent et changent et changent et qui ont des chemins pas possibles. Et selon les médecins sur lesquels ils tombent, ils se transforment ou pas. Mais... Il y en a pour lesquels ça continue de m'interroger. Vraiment, j'ai pas de réponse. C'est vrai. Et là, il y a quand même un grand mystère. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de témoignages. C'est absolument irréductible. Il y a quelque chose, effectivement, et on ne peut que l'entendre comme ça, parce que ça nous est dit comme ça. Donc, on doit l'entendre ainsi, de témoignages, effectivement, d'une distorsion radicale entre le corps et la perception intérieure. On est dans l'ordre de l'exception. On est dans l'ordre de l'exception. C'est absolument, c'est exceptionnel en termes de chiffres. Dans ces cas-là, pourquoi voulons-nous incisivement l'implanter sous forme d'enseignement universel dans notre pays, même si ce n'est pas officiel, ça le fait. De toute façon, c'est dans toutes les matières. On le rencontre partout, même dans la formation des éducateurs, on a pratiquement 3 semaines de débat sur cette situation. On est dans l'ordre exceptionnel, qui même laisse entrevoir que la psychologue va quand même se resituer. Pourquoi alors dans ces cas-là ?
Eh bien, ça, c'est un grand mystère. Je me suis beaucoup interrogée sur cette question. Il n'y a pas vraiment de solution toute faite. Il semblerait que notre civilisation est fascinée par cette possibilité-là, cette existence-là, et parce qu'elle pourrait avoir en elle un potentiel subversif radical pour déconstruire toutes nos représentations et nos déterminismes, du coup. Parce que si il est vrai que ce que ces personnes nous disent, c'est-à-dire ce qu'elles ressentent, est vrai, qu'on peut être à la femme dans un corps d'homme ou inversement, alors dans ce cas-là, le déterminisme physique, enfin le corps, l'histoire que notre corps nous impose, n'est pas si radical que ça. Et en réalité, donc la liberté, notre liberté, serait supérieure, indépendante et appelée à effectivement à s'émanciper du donné biologique. Ce que je pense, moi, c'est que nous sommes fascinés par cette figure-là parce qu'elle semble nous ouvrir la voie d'une émancipation radicale. À voir, effectivement, si c'est bien d'une émancipation. Moi, je pense que c'est un phénomène de mode, moi. C'est un peu comme les lunettes. Moi, je ne vois rien, j'ai des lunettes. Et il y en a d'autres qui m'envient, ils veulent bien avoir des lunettes, donc ils ont des verres normaux. Mais ils ont des belles lunettes, quoi. Mais un phénomène de mode, ça a quand même un sens. Il y a quand même un sens à la base. Je pense que cette fascination, elle est réelle. Et en parallèle de cette fascination, les scientifiques qui cherchent, qui ont envie de chercher, et c'est ce qui les anime. Et puis ensuite, les budgets et ceux qui comprennent qu'il y a là une brèche exploitable. Donc, tu es en train de nous dire qu'on est en train d'utiliser cette théorie du genre parce que ça va être un marché sur le plan commercial et que ça compense la curiosité des scientifiques qui peuvent un petit peu bricoler avec les êtres humains. Et ceux qui ont de l'argent et qui peuvent se faire beaucoup d'argent. Je vais prendre un autre exemple. J'ai mon ami d'enfance qui a eu des enfants sourds, donc j'ai appris la langue des signes, etc. J'ai découvert le monde des sourds. Elle a eu 4 enfants sourds. Tous ont été diagnostiqués entendants au départ. C'est très rapide. À partir du moment où il y a diagnostic de surdité, on propose l'implant cochléaire. L'implant cochléaire, dans les années... son premier est né en 95. On en était, mais vraiment à l'état d'expérimentation. Ils étaient capables d'implanter des enfants. Donc c'est vraiment... On va dans la cochlée, on rajoute une électrode ici. C'est très, très invasif. Des enfants de 3, 4 ans en disant qu'il faut le faire tôt parce que sinon l'enfant ne s'habituera pas bien, etc., etc. Pour quelqu'un qui est malentendant, ça peut se comprendre dans le sens où il y a quelque chose à récupérer. Pour quelqu'un qui est sourd, qui pendant toute la gestation n'a pas entendu, 3 premières années, 4 premières années de vie, ils n'ont pas entendu. Là, il y a les deux positions. Il y a les parents qui sont assez forts dans leurs idéaux et qui vont se dire non, je vais accepter l'identité de mon enfant. Il est né sourd. On va aller vers la langue des signes et on fera ce qu'on peut pour. Et il y a ceux, évidemment, le plus grand nombre, qui sont en situation de fragilité, qui ne savent pas quoi faire, qui ne connaissent pas les sourds, qui ne connaissent pas le monde des sourds, qui se disent qu'ils ne vont pas réussir à communiquer avec leurs enfants parce qu'ils n'ont pas la langue des signes. Eh bien oui, le docteur arrive, c'est lui qui sait, il arrive, ne vous inquiétez pas, il y a l'implant cochléaire. Eh bien voilà, et c'est un vrai marché. Alors, donc là, est-ce quand que on tu peut es exploiter en train de nous dire aussi qu'on va fabriquer des filles à partir d'un garçon, parce que c'est le commerce, mais qu'en fait on ne tient absolument pas compte que ce trouble, qu'un simple trouble psychologique entraîne tout de suite un emballement et donc un marché. Et après, on ramasse à la petite cuillère, finalement, quelqu'un qui aura vraiment perdu la totalité de sa nature. Là, je vais peut-être paraître un peu dur, mais personnellement, ça fait longtemps que j'ai perdu mes illusions par rapport à ce qu'un gouvernement ou à ce que des gens... mal intentionnés, entre guillemets, qui ont de gros budgets, peuvent faire par rapport à une population qui est en fragilité. Enfin, je veux dire, c'est l'histoire de
l'histoire de la société. On a des exemples à n'en plus finir. À partir du moment où il y a de l'argent à se faire pour des personnes qui n'ont pas de scrupules, ben, pourquoi pas? Enfin, on le sait. J'ai pas l'impression d'arriver comme un cheveu dans la soupe. Ça me paraît tellement évident. Et là, la fragilité la fragilité tout court, on s'y engouffre, évidemment. Il y a peut-être une différence, c'est que l'implant cochléaire a un fondement scientifique assez solide. Alors que je parle sous votre contrôle, mais la théorie du genre en question a une réalité scientifique tout à fait discutable, dans le sens où ceux qui ont lancé la théorie du genre, l'expérience avec les jumeaux, etc., ça, je laisserai les auditeurs aller vérifier eux-mêmes, mais c'est quelque chose qui est quand même très discutable. Et il y a un homme politique aux États-Unis qui s'appelle Ben Shapiro, qui parle beaucoup de ces sujets-là, et qui démontre qu'il y a un vrai problème, par exemple, de taux de suicide extrêmement élevé chez les personnes qui sont transgenres, et qui n'est pas lié à un phénomène de discrimination, parce que par exemple, qui est bien plus élevé que chez les populations noires, par exemple, alors que qui elles subissent aussi une vraie discrimination. Et que donc, et pareil, une des personnes qui a monté cette théorie du genre a avoué avoir menti sur énormément de ses thèses, justement pour faire passer ce truc-là, et il s'est un peu confessé après, il n'y a pas longtemps, il y a 3 ou 4 ans, avoir complètement menti sur ce truc-là. Donc il y a quand même, à mon avis, une différence qui est le fondement scientifique derrière. Et puis, si on commence à être libre de choisir ça, moi, je peux dire, dans ce cas, si je suis libre de nier la réalité de mon corps, peut-être que je peux dire aujourd'hui que j'ai 70 ans. Est-ce que c'est pour autant... j'ai 70 ans ou alors j'ai 15 ans, ce qui est fou. Certains s'appuient sur cette chose-là. Et c'est aussi ceux qui se disent trans-race, justement, ceux qui disent « je suis noire ». Voilà. Alors là, ça passe beaucoup plus mal parce qu'effectivement, les minorités viennent ensuite accuser ces personnes, par exemple blanches, qui disent « je suis noire » de racisme ou de... Et donc là, ça n'est pas possible, étonnamment, alors que si moi, je me perçois comme noire, a priori, qui êtes-vous pour... Si, en tout cas, si on va... c'est la même logique. Il n'y a pas de raison ensuite de l'accepter ici pour la refuser là. Mais tu as raison, la théorie, ce qu'on appelle la théorie du genre, qui est un ensemble d'études sur le genre, n'a pas de réel fondement, en tout cas scientifique, même si ce sont des études qui se présentent comme indiscutables et qui s'appuient surtout sur la question de la souffrance, en fait. C'est le point absolument central. On établit en fait une souffrance immense chez, on va dire, un certain nombre d'enfants, d'adolescents qui veulent changer de genre. Et au nom de cette souffrance qui les met en danger de se suicider, il faudrait accepter. C'est une question de vie ou de mort. C'est présenté comme ça. Comment explique-t-on cette séduction, cet engouement et finalement cette volonté de défendre que la théorie du genre peut tout à fait se présenter, en dehors donc bien sûr de l'histoire du commerce et de la politique, mais pourquoi ça séduit? Est-ce qu'il y a un mal-être identitaire? Les gens ne se connaissent plus? Là, on a la psychanalyste, on a la professionnelle qui a étudié la théorie du genre, un jeune qui est bien dans ses pompes. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Notre dernière question, rapidement. J'avoue que je reste... Comment explique-t-on cette fascination? Je ne sais pas s'il y a fascination. Moi, je pense qu'il y a une volonté aussi de se poser. En tout cas, je vois beaucoup ça à la fac. Il y a une volonté de se poser en défenseur de minorités, défenseur de quelque chose. En fait, et donc, on va, même quand on ne comprend pas ou quand on ne connaît pas, il y a énormément de sujets qui sont de personnes qui défendent ces sujets-là, qui se battent, qui sont extrêmement véhéments et qui, en réalité, n'ont aucune connaissance sur ce sujet. Vous pouvez leur parler 2 minutes d'un truc, ils seront incapables de vous dire quoi que ce soit. Mais je pense qu'il y a une volonté de se poser en... Voilà, exactement. Oui, mais de passer un peu, pas d'un côté héros, mais en tout cas d'être défenseur et d'être toujours, oui, moi, je vais défendre le plus faible, je vais défendre la minorité, et de prendre cette posture-là,
Ce qui d'ailleurs est très désagréable quand vous discutez avec quelqu'un qui en réalité défend quelque chose dont il ne comprend strictement rien. Il y a beaucoup de pistes en fait, hein, qui expliquent l'engouement des jeunes pour cette théorie. En tout cas, notamment chez les jeunes filles, les études qui ont été faites aux États-Unis par des docteurs comme Lisa Littman ou par Abigail Schreier le montrent assez clairement. C'est-à-dire qu'on voit effectivement se développer un syndrome très rapide, notamment chez des jeunes filles qui sont dans une forme de quête identitaire pour résoudre un problème de mal-être dans leur identité de jeune fille, etc. Et en fait, ce qu'elles expriment très souvent, ou ce que leurs parents rapportent, alors évidemment, il peut y avoir un biais, mais ensuite, les jeunes femmes qui détransitionnent le racontent, et donc ça confirme effectivement l'approche des parents, c'est qu'elles étaient en quête de trouver une communauté de combat, où on pouvait enfin être quelqu'un, se serrer les coudes, être ensemble, comprendre pourquoi on se sentait si mal et pourquoi tout d'un coup on peut devenir acteur de son histoire en effectivement choisissant, prenant des hormones, etc. Ça vient effectivement croiser ces questions-là. Ça vient croiser ces questions-là, ça vient croiser le malaise effectivement dans la féminité qui est très, très prégnante chez les jeunes filles. Est-ce qu'on accepte encore aujourd'hui le mot au nom de l'amour et du respect? Un mot clé qui est non. On pense que l'amour, c'est que oui. Mais on ne pense pas que l'amour, ça peut être aussi un non posé par amour. Un cadre. Non, touche pas, si tu vas t'électrocuter. Non, ça brûle. Alors, pourquoi ce non est maintenant devenu l'ennemi de l'épanouissement de la personne humaine? C'est vrai que les parents qui sont présentés dans tous les documentaires et qui accompagnent leurs enfants, moi je vois même parmi mes proches, je connais des personnes effectivement qui accompagnent leur enfant de 16 ans qui veut changer de sexe. Elles se sentent obligées de dire oui parce qu'il y a toute une pression. On leur explique que si elles disent non, elles vont être des tortionnaires, elles vont être un mauvais parent, elles ne vont pas comprendre effectivement ce que vit leur enfant et qu'elle va justement produire plus de souffrance. Nous avons une difficulté quand même à appréhender la question de la frustration et justement dire non à des enfants pour le protéger, c'est quelque chose qui nous semble aujourd'hui difficile, peut-être parce que les parents ne se sentent pas légitimes même à dire non, peut-être pour des raisons complexes, mais c'est une chose très, très juste effectivement. Nous ne savons pas dire non, nous ne sentons pas légitimes pour dire non, nous avons peur d'être tortionnaire en disant non. Et pourtant, dans bien des cas, c'est le meilleur service à rendre à son enfant. Ruth, une conclusion ? J'étais en train de penser au fait qu'on est en totale perte de repères, qu'on est dans un moment de changement au niveau de la société, qu'on est dans quelque chose de l'ordre du tout est possible. On arrive à un moment où les connaissances sont tellement en arborescence. Il y a tellement de choses possibles que les gens sont perdus. Au niveau religion aussi, il y a une perte de repères énorme. Il y a quelque chose de l'ordre du délitement, quelque chose qui fait que enfin, j'ai l'impression qu'il y a un coup de pied dans la fourmilière et que les fourmis sont en panique et du coup, elles cherchent. Alors, par rapport à cette question de choisir son sexe, je pense que c'est au-delà de ça. C'est-à-dire que la problématique intime de la personne qui fait cette démarche réfère à tellement, tellement de choses dans son histoire qu'on ne peut pas se dire que c'est un phénomène de mode. Ce n'est pas possible. Une personne qui entame cette démarche, elle souffre. Elle souffre énormément depuis très jeune. Donc, et d'où le taux de suicide. Évidemment que pour une personne noire, c'est différent, puisqu'une personne noire, elle est noire, elle sait, enfin, je veux dire, qu'elle soit discriminée. Qu'elle soit discriminée ou pas, elle a son vécu c'est un autre sujet. J'aurais tendance à dire que c'est moins intime parce qu'il y a une communauté justement. Les personnes qui vivent
ça, le fait de vouloir changer de sexe, elles sont seules au départ. Elles sont seules depuis petit. En fait, quelqu'un qui se rend compte qu'il est un garçon, mais qu'il a envie d'avoir les cheveux longs, qu'il a envie de jouer à des jeux de filles, qu'il a envie de se mettre en robe, qu'il se sent femme, c'est très, très, très difficile à vivre. Donc oui, il y a un taux de suicide important, mais c'est normal, parce que c'est un mal-être tellement énorme de se sentir étranger à son corps. Bien. Je pense qu'il va falloir vous continuer à débattre chez vous. On est d'accord ? On se retrouve très vite. À bientôt.